Yo 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 les amis, comment va aujourd'hui? T'as pris l'auréole parce que tu me vois bien? Je te retrouve aujourd'hui avec ma fat Mims. Hello! Si vous savez pas ce qu'elle fait, bah regardez ça! Et on se retrouve aujourd'hui dans la maison de maquettiste. Mais pour moi, c'est plus la maison du modéliste. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait. Mais c'est une petite maison sympathique quand même. Oui, il y a plein de choses. C'est cool. Donc ça fait plaisir, une petite expo sympa. Ça faisait longtemps petite pour maison. Moi. Ouais, modéliste. Moi, je vais te laisser shooter, je vais aller faire le reste. Ça roule. Petite kitchenette, salle à manger, les petits trous qui donnent sur le salon, c'est marrant. Hey, salut toi, ça va bien? Bien et toi? Ça va, c'est la folie furieuse. Il y a des trucs partout, c'est des petits rivets, je sais pas ce que c'est. Et là, on va arriver dans le bureau du modéliste, où il y a carrément des plans. Des plans bien détaillés avec des numéros de pièces, etc. Donc ça devait être un assemblage assez incroyable. On voit bien ici une table de dessin qui est relativement classe quand même, relativement utile. Putain, qu'est-ce que je vous dis? Cette table à dessin de précision. Là, il y a beaucoup de films, de photos, de maquettes partout. Du vieux matos électronique des années 80. On va peut-être voir avant. Tomber petit bonhomme des dieux, reviens à ta place petit être volant. Je sais pas si ça doit être lui, hein. On va pas trop le filmer. Toutes ces archives, photos. Il a dû se planter un jour en voiture. Ici c'est extra, c'est une espèce de diapositive. Je sais pas si on voit bien l'image. Des photos de nature morte. Des photos de famille. Paysage. Avec de l'eau. Il doit faire de la photographie aussi. Des médailles. Il devait être reconnu dans sa passion. Ou c'était peut-être un professionnel, je sais pas du tout. Petit casque comme dans les avions. Mayday, mayday, nous avons un problème, nous avons un problème, man. Nous avons un problème, man. La femme du dessous se fend la gueule.
Ah, ici, il paraît qu'il y a des fantômes. Ouais, il y a des fantômes ici. Des fantômes ici. Non. Bon, alors tu fermes ta gueule, de toute façon, même si t'es un fantôme, je te remercie. Ah, des fantômes. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ma femme. Ah, tu batterie quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que c'est que ça? Et ton corps rempli de ça. Le taux d'archives qu'il y a, à mon avis, c'était un professionnel. Hein. Le fantôme, man. Pas fantôme, man. Petit coin salon. Dans le burlingue. Les apéros entre potes. Entre modélistes. Ouah, regarde ce que j'ai fait. Oh ouais, la mienne, elle est plus grosse. Petite chambre, tranquillou. Une vieille machine à écrire des années 22. Une vieille valoche. Remplie de rien. Peut-être ta boîte à couture, encore des trucs de précision. Ah, ça, c'est pour couper le papier, c'est pas mal ça. Un peu rouillé le bestiaux, mais. Pour les photos, je sais pas, 13-18 et tout, c'est quand même des formats photos, ça. C'est un allemand. Deutsche Qualität. Deutsche Qualität, ouais. De... Ah oui, en fait, je faisais pas que les avions, des voitures, des navires, des navires. Incroyable. Oui, incroyable cette petite maison. Elle n'est pas ouf ouf, elle n'est pas grande grande, mais sympa. Oh putain! Là, je t'entends faire du rigolage d'en haut. Hein. Toi, tu te moques de moi. Bon voilà, on a fait le tour de cette petite maison. On va finir par le salon. Encore des grosses résines. Ça y est, tu reprends l'appareil, tu viens empiéter sur... Là, comme j'étais, au-dessus de ma tête, comme j'étais en haut là. Hein? Je te gêne pas! Non mais t'entendais faire le mongol tout seul là. Ah les maquettes. Des corsettes. Ouais, des HS aussi là. Un vieux. Diapositive et tout partout. Bon bah voilà. La petite visite. Bon. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ça, bordel? Ah non, ça va, ça je suis... Putain, je vais charger. Oh si, il faut peut-être la mettre. Allez, là, voilà, voilà. Cette visite se finit là. Avec la mise là, on va finir les photos.
Et puis on vous dit à bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Elle a fait des super maquettes. Alors n'hésitez pas à aller voir. Sinon je pète la gueule. Ok. Hein. Ciao. Et toi là, je t'ai dit là, t'es toujours pas abonné? Tu t'abonnes? Oui. Tu likes et tu partages. Ça prend deux secondes. Et en plus tu fais la petite cloche comme ça, on est bien. Bien. Allez, big up. Ah, vous croyez que c'était fini? Eh ben, je suis tombé sur ça encore à l'arrière de la maison. Une espèce de petit atelier. Il y a plein de pièces, plein de choses. Il y a quand même un train d'atterrissage. Incroyable quand même. Un putain de train d'atterrissage, merde! Si ça vaut pas un like, putain de merde! Ah, l'entrejambe de Ken. Ah, aussi c'est une exclu, hein. Attends, ils sont fous ceux-là. Plein de petites pièces électroniques. Des petits clous. Plein de trucs, je ne sais pas ce que c'est. Flexible, bizarre, encore une carcasse d'avion par ici, encore un Hornet. Ah, c'est peut-être la marque ça, c'est D0, je sais pas, je connais rien en aviation, avec des ailes et tout. Oh, c'est quand même un Capharnaüm. Ça a été retourné par des putains d'abrutis comme là. Une petite voiture défoncée. Donc voilà. La petite surprise de la fin du spot. Là on a deux photos et puis on va se barrer. Je l'ai déjà dit mais... Big up, accompagné.